Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Appelez-nous, exprimez-vous sur les récents événements à Brazzaville avec l'arrestation lundi du colonel Tsourou, une arrestation mouvementée après une journée de siège autour de sa maison. Je vous rappelle que cette opération de l'armée fait suite à un accrochage survenu dimanche. Une patrouille de police avait été attaquée. Le véhicule des assaillants a ensuite été retrouvé au domicile du colonel. Des affrontements ont alors éclaté entre les militaires et les partisans de Marcel Tsourou. Au moins 22 personnes y ont trouvé la mort. En tout cas, l'avocat du colonel dénonce un règlement de compte. En septembre dernier, son client avait été condamné à 5 ans de travaux forcés avec sursis dans l'affaire des explosions de Mpila, explosion du principal dépôt d'armes de la capitale qui avait fait, je vous le rappelle, près de 300 morts. Mais en sortant de prison, cet ancien fidèle du président Sassou Nguesso s'était clairement opposé au pouvoir, notamment en menaçant de donner des informations sur l'affaire du Beach, sur ces 350 personnes qui ont disparu en 1999, alors qu'elle revenait d'exil de République démocratique du Congo. Alors que vous inspire l'arrestation du colonel Tsourou? Faut-il y voir, comme l'affirme son avocat, un règlement de compte? 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Et vous continuez évidemment à réagir sur la page Facebook de l'émission, plus d'une centaine de commentaires. Enoch, vous nous appelez de Brazzaville, bonjour. Bonjour Anne. Et comme beaucoup d'auditeurs, vous vous posez ce matin beaucoup de questions sur l'arrestation du colonel. Oui, effectivement, nous nous posons des questions parce que lorsqu'on on regarde le déploiement qui a été fait autour de la maison, de la force publique, pour aller l'arrêter, bon, on est en droit de s'interroger. Encore que, on pense que lorsqu'on est un pays la démocratie, qui pense que on doit gérer les choses de façon démocratique. Bon, on a quand même une justice qui est là. Je crois que on aurait pu laisser le temps à la justice de faire son travail. Quoique Mais ça, publique, Enoch, ça signifie quoi? Que vous ne comprenez pas pourquoi le pouvoir a déployé devant le domicile du colonel des dizaines de militaires. On a même envoyé sur place un hélicoptère. C'est disproportionné selon vous? Effectivement, parce qu'en fait, même si on avait à aller à l'arrêter, mais c'est quand même une grande première à Brazzaville que ça se passe comme ça. Donc, moi, je pensais qu'il y a quand même une justice qui est là. On aurait pu laisser le temps à la justice de faire son travail, même si on évoque la question de légitime défense. Donc, on était dans un état de droit quand même, la justice jouerait de beaucoup et ferait son travail. Oui, mais en même temps, Enoch, excusez-moi de vous interrompre, le colonel, lui, a riposté. Il avait autour de lui près d'une centaine de fidèles, c'est quasiment une milice privée qu'il avait autour de lui. Oui, il y a une centaine de gens, mais ça ne surprend pas la population brazzavillaise, parce que depuis un certain temps, tout le monde observait, savait qu'il pourrait arriver un truc de ce genre, puisque au regard des tensions qui montaient, tout le monde s'attendait à une telle situation, mais je crois que on aurait quand même laissé le temps à la justice. La justice est mieux placée dans un état de droit pour faire son travail. Merci Enoch d'avoir lancé le débat. Ghislain est avec nous, bonjour. Bonjour Monsieur Juan. Vous dénoncez une mascarade. Exactement, j'ai dénoncé une mascarade suite aux déclarations faites par le colonel Tsourou en amont sur l'affaire du Beach. Les Congolais qui étaient réfugiés de l'autre côté de la RDC, le jour de la traversée, ben, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé ses frères qui sont partis, je ne sais pas par quel chemin. Mmh. Et le colonel Tsourou avait déclaré sous les ondes de la RFI comme quoi qu'il était prêt et pour aller répondre devant la juridiction française sur ce qu'il connaît à propos de ce dossier. Alors que le gouvernement ne voit pas d'un bon œil ces genres de déclarations du colonel Tsourou. Ouais, surtout qu'il a des choses à raconter, le colonel Tsourou, puisqu'à l'époque des faits, en mai 99, il était le directeur des renseignements militaires. Donc pour vous, il y a clairement un lien entre les propos du colonel concernant l'affaire du Beach et son arrestation lundi. Il n'y a rien à faire, il y a bel et bien lien, il est ouvert, je le dis, il y a vraiment lien. Il n'y a rien à faire. Ouais. Mais comment vous expliquez l'accueil que le colonel Tsourou a réservé aux hommes qui sont venus l'interpeller? Comment expliquer ces tirs, ces miliciens, ces centaines d'hommes armés pour le défendre?
Mais je trouve que c'est aussi farfelu parce que, vous imaginez, un véhicule qu'ils ont, dit-on, vu vers plateau de 15 ans, qui se retrouve devant la maison du colonel. Le colonel, c'est un militaire. Il ne peut pas laisser traîner un véhicule devant sa maison. Il s'avère que ce véhicule était suspect. Qu'on vient le retrouver devant sa maison, pourquoi l'attaque? Mais on retrouve le véhicule devant la maison du colonel. Est-ce qu'on a contacté le colonel pour en savoir plus? Non. On rentre, les hélicos allaient dans l'air, les chars dans la rue, et pourtant quelque part dans Brazzaville, il y a une fusée qui dit plus jamais ça, qu'on ne veut plus sortir les chars. Mais ce jour-là, les chars sont sortis, les hélicos en l'air, et c'est déplorable. Ouais. C'est trop facile à nous faire avaler cette pilule-là. Alors, vous dénoncez une mascarade, on l'a bien compris. Ghislain, merci bien. Freddy est avec nous. Bonjour Freddy. Et bonjour Juan Gomez et tous les auditeurs de RFI. Alors, contrairement à Ghislain, vous vous dénoncez surtout le comportement inacceptable du colonel Tsourou. Naturellement, le colonel, je tiens d'abord à m'incliner devant la mémoire de toutes ces victimes innocentes, parce que le colonel Tsourou était un officier supérieur qui jouit d'un certain charisme. Et il a été inculpé dans l'affaire du 4 mars. Il a passé des mois de détention à la maison d'arrêt. Il est passé au procès. Et il a été jugé, condamné à 5 ans de travaux forcés avec sursis. Il n'y a jamais eu quelque chose. Je ne vois pas comment un officier aussi qui jouit d'un certain charisme peut autoriser que des gens armés puissent héberger des gens armés chez lui, alors qu'il connaît bien le droit. Et si, comme on pense, comme le précédent auditeur qui vient de passer, il pense que c'est une machination, le véhicule n'appartenait pas, libre qu'il les fait, la justice vient à la police faire sa perquisition tranquillement au lieu de riposter. Et vous allez remarquer comment la centaine de ces jeunes s'est retrouvée dans son domicile. Donc c'était prémédité avant. Ouais. Il y avait une centaine effectivement d'hommes armés au domicile du colonel Tsourou. Il entretenait d'une certaine façon une milice privée. Ça vous inspire quel commentaire justement, tous ces hommes armés au domicile du colonel? Mais vous savez que le fanatisme paye toujours mal. Parce qu'on a traumatisé une fois de plus, parce que le peuple congolais sort encore des blessures laissées par les explosions du 4 mars. Et voir encore toute la ville en débandade, les enfants, les administrations fermées, et ils sont venus mettre le couteau dans une plaie qui ne s'est pas encore bien cicatrisée. Mmh. Et je pense que pour un officier comme Arsène Tsourou, c'est vraiment, il a mal joué sa carte parce qu'il n'avait pas besoin de tuer autant de Congolais pour une histoire qui n'était pas, si, d'après lui, c'était pas vrai, il l'a fait. Clairement, la justice et la police faire sa perquisition. Ouais. Vous faites référence aux explosions du 4 mars, ce sont les explosions de Mpila, 4 mars 2012, près de 300 morts, plus de 2300 blessés et 17 000 sans-abri. 33 9 693 693 70. Faut-il y voir un règlement de compte dans l'arrestation du colonel Tsourou? C'est en tout cas ce qu'affirme son avocat, que vous avez pu entendre ce matin sur notre antenne. Bonjour Léonard. Bonjour Monsieur Juan Gomez. Vous nous appelez Damien, vous êtes dans exactement. Le nord de la France. Dans la Somme. Dans la Somme, exactement. Oui. Nous vous écoutons. Vous avez un point de vue un peu mitigé, vous dites que les responsabilités sont partagées. Bien sûr, d'abord je voudrais m'incliner devant les frères, les compatriotes qui sont décédés sur la bêtise humaine et l'égoïsme des hommes politiques congolais. Cependant, je dis que les responsabilités sont partagées parce que comment a-t-on pu imaginer qu'un homme condamné avec sursis vivent librement dans Brazzaville, entouré d'une escouade de gens armés, y compris dans ses domiciles. Mmh. Comment peut-on imaginer que le chef d'état-major, vivant en face du colonel Tsourou, ne se rende pas compte qu'il y a à deux pas de chez lui des hommes suffisamment armés? En même temps, comment ne pas aussi remarquer la disproportion des moyens mis en œuvre pour le débusquer alors que l'on a la maîtrise des lieux et de l'incident? Je veux dire que je condamne l'attitude du colonel Marcel Tsourou qui a entretenu des jeunes. Monsieur Marcel Tsourou est passé sur vos antennes pour dire que nous résisterons jusqu'au dernier homme. Nous amis pour qui? Mais aujourd'hui, 20 jeunes Congolais sont tombés. Lui et sa famille sont encore en vie. Ce n'est pas normal. Donc d'autre part, côté gouvernemental, que reprochez-vous exactement? Mais
je dis que les institutions de la République ne respectent pas la loi pour tous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le Kansourou est un cas qui est général dans Brazzaville. La plupart des officiers militaires, la plupart des cadres nommés par le président de la République ont des armes chez eux. Le désarmement à Brazzaville, au Congo, après la guerre de 97, s'est fait dans une partie de la République. Mais vous avez encore des officiers qui détiennent dangereusement beaucoup d'armes. Donc finalement, vous n'êtes pas surpris, Léonard, d'apprendre que le colonel Tsourou disposait d'une centaine d'hommes, de fidèles dans sa maison pour le défendre. On va donner la parole à Patrick, qui nous appelle de la région parisienne. Bonjour Patrick. Bonjour Anon. Nous vous écoutons, soyez le bienvenu. Merci, Rohan. Tout d'abord, je voudrais soulever un fait, Rohan. Je suis étonné d'entendre mes compatriotes parler ainsi. Ça n'étonne personne que nous constatons que ces chefs militaires aient des hommes et des armes chez eux. C'est monnaie courante dans Brazzaville. À la sortie de la guerre, tous ces chefs de guerre s'est retrouvés avec des éléments sous leur contrôle. Mais le problème de Marcel Tsourou aujourd'hui, c'est quoi ? C'est pas dont nous parlons aujourd'hui, Rohan. Le vrai problème, c'est que Marcel Tsourou aujourd'hui se retrouve dans l'opposition et a dit clairement qu'il a la vérité à dire sur les disparus de Bush de Brazzaville, Rohan. Ouais. C'est ça le vrai problème qui lui est reproché. Il a tenu deux propos condamnant les autorités. D'abord, juste après sa condamnation qu'il a mal vécu, il a affirmé sur notre antenne que l'explosion de Mpila serait un accident maquillé en attentat pour couvrir les responsables d'une série de négligences coupables. Et puis ensuite, il y a eu effectivement, comme vous le disiez, ses propos sur les disparus du Beach. Et il s'est dit prêt, effectivement, à témoigner devant la justice française qui enquête sur cette affaire à Paris. Et donc pour vous, il y a clairement un lien avec l'affaire du Beach. Ça c'est clair, ça fait l'ombre d'aucun doute, Rohan. Parlons des événements du 4 mars. Oui. Monsieur Tsourou a été jugé, condamné à 5 ans de travaux forcés à la sortie de sursis. Oui. Voilà ce monsieur qui se retrouve chez lui paisiblement, comme vient de le dire d'autres auditeurs. Et dans cette semaine, on nous apprend un mouvement des chars, un hélicoptère, pas civil, un hélicoptère militaire qui survole sa maison. En même temps, il n'était pas si paisiblement installé dans sa maison comme vous le disiez. Il était quand même armé, il y avait une centaine d'hommes, il avait quand même une milice privée chez lui. Il disposait d'un arsenal. Vous savez bien que M. Tsourou a des éléments chez lui. Oui. Il y a quand même un service de renseignement à Brazzaville. Et donc c'est un état-major militaire à Brazzaville. Ils le savent bien. On vient de nous dire qu'il vit en face du chef d'état-major. Mais c'est quand même quelque chose, Rohan. Donc ça n'étonne personne. Donc il n'y a rien d'illégal pour vous, Patrick, sur le fait que le colonel détienne chez lui un important stock d'armes et entretienne une milice privée. Cet arsenal militaire, le colonel Tsourou l'a eu où ? Il ne l'a pas acheté dans sa propre poche. Ce sont des armes qui lui ont été données quand il était un ange auprès de M. Sassou. Ouais. Mais aujourd'hui, il devient le vilain petit canard qu'on doit traquer. Mais derrière, ce que nous nous déplorons, Patrick, c'est Patrick, pas ça. Patrick. Qu'on arrête M. Tsourou, oui, mais les morts, Rohan, c'est encore les familles congolaises qui payent en ce mois de décembre qui marque les fêtes. Ouais, 22 personnes ont été tuées suite aux affrontements de lundi autour du domicile du colonel Tsourou. Merci Patrick, merci à vous. 9h53 à Paris, le temps passe vite. Vous êtes nombreux à souhaiter commenter cette actualité. 33 9 693 693 70. Fidèle, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Brazzaville. Vous n'êtes pas surpris, vous, par l'arrestation du colonel Tsourou? Non, je ne suis pas surpris parce que tout le monde ici à Brazza, nous savons tous que depuis le verdict du procès du 4 mars, il y avait des hommes armés et en civil qui étaient toujours derrière Tsourou. Et chaque fois qu'il s'est déplacé, il y avait ces hommes-là derrière lui. Et avant même, cet événement de lundi, tous les militaires étaient postés devant les villages techniques tout au long de la route nationale numéro 2. Mais pourquoi ces militaires-là, si Tsourou était paisiblement celui à la maison avec sa femme et ses enfants. Excusez-moi, fidèle. Excusez-moi, je ne suis pas à Brazzaville. Quand vous dites qu'il y avait des militaires dès le dimanche installés le long de la route, ça signifie quoi concrètement ? Que voulez-vous démontrer par là ? C'était pour empêcher que peut-être certains morts fanatiques qui pouvaient peut-être le soutenir. Donc il fallait étouffer les gens. Ouais. Et le pouvoir le sait. Donc ça veut dire, à vous entendre, fidèle, dès dimanche, l'opération aurait été programmée par le pouvoir.
bien sûr, c'est un coup bien monté aux méthodes staliniennes pour étouffer ceux qui veulent prendre leur liberté. Oui. Or, nous ne sommes pas en démocratie ici. Vous n'osez pas, vous parlez, on n'ose pas permettre à chacun de parler. Fidèle, je suis désolé, je vous interromps parce que le réseau se dégrade, vous n'y êtes pour rien, mais ce sont les aléas des télécommunications. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Yvan, vous êtes à Pointe-Noire, bonjour. Bonjour, Juan Dorbez. Bienvenue, nous vous écoutons. Voilà, donc j'interviens dans le même sens que l'auditeur qui a parlé avant l'autre de Braza, qui disait que ça ne le surprend pas de constater que le colonel Tsourou est une ministre chez lui, parce que c'est un état de fait que nous avons hérité de la guerre de 97. Et il y a beaucoup, ils sont nombreux des officiers congolais qui ont derrière eux, à l'intérieur de l'armée, des petites armées. Donc ils ont des éléments qui leur sont fidèles, qui sont prêts aujourd'hui à se lever, à se sacrifier, si ici il arrivait que leur chef qu'ils adorent soit écarté du pouvoir ou soit écarté du système. Mais Yvan, ça signifie quoi? Que les autorités, finalement, ont raison de vouloir désarmer un colonel ou un général ou peu importe, mais en tout cas un militaire qui détienne dans sa propre maison un stock d'armes et qu'il ait autour de lui une milice privée? Mais M. Juan Gomez, mais un colonel, on connaît ce que dit la loi congolaise. Bon, je ne suis pas militaire, mais je pense qu'un colonel, un officier, a droit à un aide de camp, a droit à un chauffeur et je ne sais pas deux éléments autour de lui. Donc, on peut dire au maximum 5 éléments. Mais pas une centaine. Même s'il se sentait menacé, il aurait dû s'adresser à la justice. Et puis là encore, c'était juste pour une perquisition. C'est le résultat que nous avons reçu. C'était une perquisition. Il y a eu accrochage au plateau des 15 ans. On pensait que le véhicule était sur Tourou. On a le procureur a envoyé des gens vérifier. Effectivement, le véhicule était là. Donc, il n'avait pas à s'opposer. Il a causé la mort de 22 jeunes Congolais. Bon, là, il a envie comme l'autre l'a dit. En tout cas, pour l'instant, il doit encore être entendu par le procureur. On en saura certainement un peu plus dans la journée. Fidèle, vous êtes toujours avec nous de Brazzaville. Un petit mot peut-être de conclusion? Bon, je pense que la méthode utilisée contre le colonel, c'est une méthode souvent utilisée pour des pouvoirs aux abois. Le pouvoir est aux abois, donc on cherche un bouc émissaire pour tous les points de vue. C'est mon point de vue. Merci à vous, Fidèle. Merci également à Yvan qui nous appelait de Pointe-Noire. On termine avec un auditeur de la région parisienne. Brice, bonjour. Bonjour, Juan Gomez. En 1 minute 30, nous vous écoutons. Donc, je disais que l'arrestation du colonel Tsourou, c'est une machination, c'est une mise en scène pour faire taire à jamais toute opposition au Congo. Donc, le monde entier vient de découvrir, ensemble avec le Congolais, la nouvelle recette de Sassou Nguesso pour s'accrocher au pouvoir, traumatiser les Congolais par la peur. Et en même temps, pour resituer les faits dans leur contexte, le colonel était surarmé chez lui, entouré d'une centaine d'hommes. C'est tout à fait normal, selon vous? C'est légal? Mais Rouen, c'est pas une nouvelle pour les Congolais. Non, mais d'accord. Peut-être que vous n'êtes pas surpris, mais est-ce que c'est légal, selon vous? Est-ce que ça vous semble tout à fait légitime? Non, C'est pas légal. C'est pas un état de droit, ça. C'est pas digne d'un état de droit, le Congo. Tous les généraux au Congo ont des armes, ont des milices chez eux. Donc il faut bien que les autorités désarment à un moment. Et ils l'ont jamais fait. Ouais, mais elles le font. Alors quand elles le font, vous vous plaignez et vous dénoncez le manque de démocratie. Et quand elles le font pas, vous criez au laxisme. En tout cas, le débat est loin d'être clos. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Avant de rendre l'antenne pour retrouver évidemment Claire Edon dans 10 minutes, sachez que mercredi prochain, le 25 décembre, nous allons tous ensemble dresser un bilan de l'année 2013. Ce sera l'occasion de retracer l'actualité de ces 12 derniers mois. Et vous pourrez nous dire quel a été l'événement le plus marquant de l'actualité dans le monde, quelle a été la personnalité qui a retenu votre attention. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour cette rétrospective de l'année 33 9 693 693 70. Demain, le débat sera consacré aux universités en Afrique avec en toile de fond les vives tensions à l'université de Dakar. Hier, des heurts ont opposé forces de l'ordre et étudiants. Des étudiants qui dénoncent la réforme des universités, notamment la hausse des frais d'inscription qui sont passés de 5 000 à 25 000 francs CFA. Qu'en est-il dans votre pays? Nous attendons dès maintenant.